Good morning, Excellencies. Excellences, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre réunion de ce matin. Ce matin, nous avons une invitée, particulière. Nous avons parmi nous Madame Graca Machel, je crois que nous la connaissons tous. But for purposes of introduction, mais I would invite si ce n'est pas le cas, je vais donner la parole à notre collègue, le directeur général ambassadeur Swing, pour qu'il présente Madame Machel. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, dear colleagues. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. Je crois que c'est un grand jour pour l'OIM et ses 157 États membres. C'est un grand, très grand honneur d'accueillir parmi nous Madame Graca Machel. Elle est très demandée et je dois dire que c'est extraordinaire qu'elle ait accepté d'être aujourd'hui notre oratrice principale. Elle est arrivée hier soir du Brésil. Elle a un agenda très chargé, mais elle est parmi nous ce matin et nous en sommes vraiment ravis. Graca Machel est connue à l'échelon international. Elle défend les droits des femmes, les droits des enfants. Elle a été elle-même militante sociale et politique pendant des décennies. C'est un défenseur de la liberté. Elle était la première ministre de l'éducation du Mozambique. Ses contributions sont appréciées dans le monde entier. Et si j'en énumérais la liste, nous n'en terminerions pas. Elle est membre du Elle fait partie également du groupe consultatif pour les objectifs du millénaire pour le développement et elle fait partie du groupe de haut niveau pour l'agenda de développement post-2015. Elle fait également partie du groupe qu'a présidé Desmond Tutu, Kofi Annan. Elle est présidente du partenariat pour la protection des enfants, Promise Renewed, présidente et chancelière de l'Université du Cap et au Centre africain pour la résolution constructive des litiges, présidente de la Fondation pour le développement communautaire et également de l'Institut pour le développement des enfants. En tant que fondatrice de la Fondation Graca Machel, elle défend principalement l'autonomisation des femmes sur le plan économique et financier, l'éducation pour tous et la sécurité alimentaire, la nutrition, la bonne gouvernance et la liberté. Excellence, c'est un honneur de vous souhaiter la bienvenue à notre session de ce matin. Et nous sommes très heureux que vous ayez pu venir nous voir ce matin. Vous avez la parole.